Et salut tout le monde, c'est Duna et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Duna Croft. Donc dans cet épisode, nous allons continuer de faire notre petite salle avec l'enchantement et tout ça. J'ai bien vu vos commentaires comme quoi il ne nécessite que de hauteur et qu'il n'y a pas besoin de trucs sur le côté. Donc je vais les enlever tout de suite. Voilà, ça me fera ça en moins déjà à poser, donc c'est parfait. Et ensuite on m'a dit que j'en avais besoin que de 15, donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et bien il m'en restera que 5 sur 2 de hauteur. Donc je pense que pour l'instant je vais laisser ça comme ça, on va voir ce que ça donne, et que je pouvais commencer à l'utiliser en posant mes trucs dessus. Donc je suis level alors est-ce que c'est pas dommage en fait de... Alors désolé pour mes chiens qui aboient, ils sont un peu tarés. Va faire ça comme ça. Et apparemment ça marche pas très bien de mettre des choses ici. Alors je suis vraiment désolée pour le bruit qu'ils aboient tout le temps. Parce qu'il y a en fait il y a des vaches. Alors je sais pas si vous allez les entendre. Mais j'ai des vaches en fait en face de chez moi et du coup voilà, ils aboient comme des tarés. Enfin, surtout le petit. Bon, vous savez quoi, je fais une micro-pause et je reviens. Et remets petit loup, donc voilà, ça y est, c'est calme. C'est le calme absolu. Ah, ça fait du bien. Et ça fait joli comme ça fait très... Ça fait très... Très très. Donc oui, j'étais en train de penser que c'est peut-être pas... on va bien voir. 18. Une break-in 2, ouais, trop cool. On peut pas mettre autre chose. Et là. 18. On va voir ce que ça donne. Looting 1, smite 3, fire aspect 1. Je pense que ça doit les enflammer. Après, looting, ça doit être des loots de mobs. Et smite, je sais plus ce que c'est. Je sais plus du tout ce que c'est. Bah, je sais plus ce que c'est. Tant pis, on verra bien. On va essayer. Vous savez quoi? Je vais essayer ma nouvelle arme tout de suite. Ah, puis je vais peut-être enchanter aussi mon armure en fer. Alors, je sais pas si c'est utile. J'ai pas beaucoup de diamants donc pour l'instant. Donc, je pense que oui, ça peut être utile de. On verra bien. Donc, on va au moins améliorer le plastron. 4. 5, 6, 5, 4, 4, 3, protection 1, ça va, il y a pire. Et là, est-ce que 3, 6, est-ce que ça existe 1? Visiblement non. Bon bah tant pis. Je vais aller faire cuire tout ça déjà et je vais aller taper du monstre et je vais ranger tout ce que j'ai. Parce que c'est la nuit et du coup on va en profiter un peu pour essayer tout notre bazar. Donc j'ai dit que je mettais ça à cuire. Ah bah j'ai ça. Ça tombe bien. Ça, on le met à cuire. Ça, on le range ici un peu à l'arrache. Voilà. Lui, c'est du poulet, il va pourrir. Je range tout ça, j'en ai pas besoin. Parce que si je crève, bonjour. Ça, je garde. Ça, je range. Non, ça, j'ai dit que je gardais. Ça, je range. Ça, on va le ranger directement dans le truc. Ça, c'est important. Faut le laisser là. Et puis voilà, ça, on s'en fout. Ça aussi. Non, ça, il faut que je le prenne. Du bois. Du bois. Matériel de construction ici. Ça se met là.
Voilà, je pense que ça suffit largement. Ensuite, pour éviter les problèmes, ça je range, ça je range, je range. Là, je pars vraiment en bataille. Juste pour tester mon arme. Allez, c'est parti. A pas peur, Duna. Regarde là-bas. T'as ta première victime. Ouais, première victime. Connasse! Crève. Oh, il y a un PNJ. Oh putain, il y a plein de zombies. Oh, oh putain, non, c'est pas possible, il y en a trop là. Oh, je suis en train de flipper à chaque fois, c'est juste horrible. Bah, looting 1, c'est pas terrible, hein. Ok, allez, hop. Vite, vite, attention à mes maisons. Tout va bien. Ouh, putain, le con. C'est tout? J'ai que ça? C'est tout? C'est quoi ce foutage de gueule? Ah là-bas, il y a un clunk clunk. Oh, là-bas aussi. Oh, il y a du monde là-bas. Allez, on a décidé de se faire une petite virée. Oh putain. Là, il y a du monde qui arrive. Hein. Oh, il y a du monde. Oh la connasse. Oh, vas-y, crève. Crève dans les enfers de la mort qui tue. Oh, aïe aïe. Ah là, ça y est, ça flambe. Ça croustille là-bas. Hey, coucou. Pouf, tu m'as pas vu. Hop, tu m'as pas vu. Je vais te tuer. Comme ça va me prendre du XP. Tac, 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 tac. Cool. Là-bas, il y a un creeper, donc on va se le faire. Aïe! Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres mobs quelque part à assassiner là avec ma super. Bon, désolé, tu vas griller. Oh, génial! Ça me fait directement du cochon grillé. Alors, ça, c'est trop chouette. Elle reste là. Oh, ça, c'est bien ça. Bon, j'ai peut-être mangé un peu avant. Bon, bah, test de la nouvelle arme. Ok. Ça marche. Ça marche même très bien. Et ça va, j'ai pas trop flippé, donc ça va. Ça va. Imhotep. Imhotep. Alors là-bas, il y a plein de grottes, il y a des petites cavernes et tout. Ça sent le refuge à mobs, ça. Vous voyez, même dedans, là, je suis sûre qu'il doit y en avoir. On va mettre quand même à éviter. Voilà. Il y a un petit champignon. Bon, bah, il n'y a plus rien à voir en fait. Là, il y a du rotten flesh. C'est des vrais, si je vois pas un creeper ou deux qui se balade. J'ai des petits bugs de chunk aussi là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai des bugs? Je n'en veux pas, non, non. Bon, bah, il y a l'air d'avoir rien de spécial à part des schmouts. Des schmoutons.
Alors, c'est un mouton. Un ton schmout. Un ton schmout. Ok, ça marche. Bon. Hop là, ta 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 ta. Faudrait que j'arrête de me faire autant de cochons, les pauvres. Je sais même pas pour, si c'est vraiment utile de faire un truc à mouton. Attends, je vais essayer un truc. Se faire un peu d'encre. Cool. Oh, mais il y a du truc ici. Bon, je sens que je suis en pleine puissance. Donc, je pense que je vais aller. Je vais me préparer à me faire une virée dans. Oh là, il y a de l'XP là. J'allais oublier cet XP là. C'est bon ça l'XP. Ah comme ça je vais pouvoir continuer à enchanter mes affaires, dis donc. Allez, on mange un chouïa. Agre-greu. On dépose toutes les merdes qu'on a récoltées. Donc ça. Et je pense que on va aller récolter un petit peu. On va aller essayer de fouiller un peu les cavernes. J'aimerais bien voir ce qu'il y a dans les cavernes au fond là-bas, là. Ici, je suis assez. Il me faudrait une pelounette encore. Où c'est que je l'ai rangé le fer? Oui, il est là. Une pelounette. Avec des sticks. Puis d'ailleurs, je vais peut-être me faire encore un. Hop. Voilà. Est-ce que j'ai du charbon encore? Flint, on s'en fout. Pas grand chose, hein. Allez, c'est parti pour l'aventure. Banzai. Allez voir ce qui se cache dans ces cavernes. Oh, regardez ce qui se pointe là. Ah, ils sont cons comme des balais. Oula, mais c'est qu'il y a du monde. Oh mon Dieu! Ok. Respire, Don. Oh putain, il y a un creeper qui arrive maintenant. Mais comment ils peuvent savoir que je suis là sans déconner? Aïe. Oula. Oula, il y a du monde. Là, ça me fait vraiment peur, hein. Je pense qu'il doit y avoir un spawner quelque part. Regardez! Le spawner à zombies. Oh, trop bien. Oh, merci le creeper. Bon. Maintenant que je sais qu'il y a un spawner à zombies, c'est trop cool ça. Ça, c'est trop de la balle. Un spawner à zombies. Bon, on va fermer là.
Voilà. Et là, maintenant, je sais qu'il y a un spawner à zombies. Ça, c'est cool. Ah, c'est trop bien ça. Il faut descendre. Alors, on va bien éclairer tout le tintouin. Ah. Et on va essayer de se faire une ferme. Il n'y a plus rien après. Ok. Donc, je n'ai jamais fait ça. Une ferme à zombies. Alors, il va falloir que j'essaye de remonter là-haut, par contre. Mais... Oh, je suis contente. Je savais bien qu'il y avait un spawner quelque part. Oh putain, et en plus, ça se met à pleuvoir. C'est pas bon ça. Bon, maintenant que je sais qu'il est là, le spawner à zombies, tout va bien. Tout va bien. Il va falloir que je m'aménage le truc. On va essayer d'aller récolter un peu là-bas. Je vais chercher ma petite houe. Et il va falloir que j'essaye de faire. Alors, je sais pas du tout comment on aménage un spawner à zombies et comment on fait pour avoir justement. Comment on s'en sert ni rien du tout. Donc, si vous avez des astuces, ça serait très gentil de me le dire. Et comme ça, dans le prochain épisode, eh ben, je m'amuserai à. Ben, tout simplement à récolter le truc, quoi. À m'en servir. Je pense que ça va être vraiment pas mal. Ok. Oh putain, j'en ai encore là. Oh, j'ai la masse de bouffe. Je vais essayer de me faire un coffre à bouffe. Parce que là aussi, ça doit cuire. Là, je regarde si j'ai des trucs là. Là, ça bouffe encore. Ça, c'est de la bouffe aussi, mais bon, c'est pas terrible. Les pumpkins, ça, il faut que je m'en fasse. Les cides. La grosse. Les lipades. Bon, je vais aller me coucher. Parce que la nuit est en train de tomber. Voilà. Alors, il a arrêté de pleuvoir. J'ai cru voir un gourmet. What? Dun pète un câble, mais littéralement, hein. Alors ça, on s'en torche. Par contre, il me semble que ça, c'est important à garder. Pouic, pouic, pouic. Tout ça, on s'en torche pour l'instant. Ah, c'est ça que je voulais garder. Voilà. Et ça, je vais le ranger là. Voilà, avec ça. Et allez, on va aller voir si je peux pas enchanter un autre truc de mon plastron ou un truc comme ça. Mon legging 4, c'est pourri, 5 aussi.
Putain, tout à l'heure j'ai galéré à faire du 2 et là il me propose du 2 quoi. Unbreaking protection 1, hein. Parfait. Parfait, parfait. Pour un début, c'est bien. Très bien. Allez. C'est reparti, mon kiki. Donc ça, je vais ranger tout ça dedans. Voilà. Les petites fleurs, on s'entorche un petit peu. Ça, je prends par contre. Ça, on s'en fout aussi. Par contre, je vais reprendre la bouffe qui est là. Ça, ça. Est-ce que j'ai de la bouffe encore ici? J'ai la rotten flesh. Donc, ouais, je garde. J'ai la melon. Alors, ça, le melon, faudra que je le plante. D'ailleurs, je vais y aller. Je vais prendre la houe et je vais aller planter tout ça. Ça, je mets ça dedans, ça aussi, les œufs aussi, ça aussi, ça aussi. Et je vais aller planter un peu de trucs. Voilà, ça. Et c'est tout. Je vais aller faire cuire ça, cuire le poulet, ça pour l'instant s'en fout. Hop là. Allez, c'est parti. On va aller récolter un chouïa. On va prendre la houe sur soi. Et c'est parti, mon kiki. Alors, j'ai vu aussi que vous me disiez que pour les PNJ, il fallait avoir un zombie PNJ. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Cependant, ce que je comprends pas, c'est comment ils se reproduisent après s'il est tout seul le zombie? Donc ouais, ça me paraît un peu tarte comme mais tout seul se reproduire, c'est pas possible. Mon petit champ sans prétention. Les patates. Oh là, j'en ai de la patate. J'ai des grosses patates. Je vais faire un côté patate, un côté. Voilà. Et là, ici, je vais replanter des trucs, je pense. Tac, 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 tac. Voilà. À manger, je suis là. En fait, je suis bien contente d'être tombée sur le spawner à zombies. J'ai hâte que vous m'expliquiez un petit peu comment on fait pour l'aménager tout ça pour que ça puisse me fournir de l'XP à gogo. Et voilà. Bon bah écoutez les amis, je pense que pour cet épisode on aura vu pas mal de choses, hein. Je vais aller nourrir vite fait mes vaches, les reproduire et tout ça. Je vais. Oh tiens, je sais plus ce qu'on donne pour les reproduire. Est-ce que c'est ça? Non. D'accord, je monte à l'intérieur, je sors à l'extérieur. Le cheval TP moi. Et d'ailleurs. Comme il y a assez de cochons dans les parages, je pense que je vais faire la fête aux cochons. Je vais faire un petit michoui. Allez, hop. Puisque là, ils me servent à rien. Et en plus de ça, j'ai assez de trucs comme ça. Donc c'est parfait. Pousse-toi. Pousse-toi, truc. Allez, hop. On va les prendre tous les deux sans qu'ils se sauvent. Allez, venez par là, les petits loulous. Rentrez là. Allô? Allô? La bouffe, elle est là. Allô? Non mais allô quoi? C'est un cheval et il est débile. Allô? Allez, viens là. Oh purée, c'est pas possible.
Ok, j'ai compris, t'es nunuche. Ah, ça a pondu un œuf. Oh, punaise. Alors, je vais leur faire du foin. Non, c'est pas comme ça. Alors, je vais leur aménager une belle petite truc et après, je vais arrêter. Je vais leur mettre deux blocs de foin chacun. Voilà. Deux blocs de foin. Voilà, puis je pense que je vais faire un truc un peu RP d'ailleurs. Je vais en récupérer un. Viens là, toi. Voilà. Allez, je te laisse ici. D'ailleurs, je vais fermer avec la fence gate. Et ça. Voilà. Toi maintenant, tu viens, j'ai dit. Tête de mule. Bouffer l'herbe. Allez, dépêche-toi. Oh, tu vas m'écouter, oui? Tu vas venir là, oui? Allez. Pourquoi il vient pas? Allez. Allez. Je le pousse ou quoi? Allez, je rentre dedans, oui. Allez, rentre dedans. La bouffe, elle est là, crétin. Allez! Bon. Me faire un méchoui de cheval, en fait. Oh oui, allez, vas-y, vas-y, viens. Oh là! Eh bé! C'était dire, hein? Idiot. Et normalement, pour les reproduire, c'est quoi qu'il faut leur donner? Ah, des pommes! Normalement, j'ai des pommes. Ah, puis je vais pouvoir me faire des pommes d'or aussi. Boah, trop cool. Ouais, deux pommes, ça devrait suffire. Mince. Les champignons qui se font la malle. Allez, vite, vite, vite. Que je reproduise un peu mes petits animaux là. Comment on fait? Comment on fait pour les faire reproduire? Bah mince alors. Bon, bah je sais pas. Et donc ouais, on m'a dit que ça sert à rien d'avoir autant de trucs. Donc je sais, mais bon, je me dis que c'est une volière. Alors voilà, c'est pour le côté RP. Tant pis. Et là, c'est mes petites vachounettes. Et voilà, je pense que pour aujourd'hui, l'épisode est fini. Donnez-moi des astuces pour dire comment on reproduit les chevaux. Et aussi, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et si comment on fait pour aménager le spawner à zombies. Donc, ma foi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Okay.